Les vignerons le disent, la vigne doit souffrir pour faire un bon vin, mais modérément. Un modérément dont le changement climatique n'a que faire. C'était le thème d'une masterclass au Salon Vinisud. Le principal problème, c'est la sécheresse. Pour y remédier, les vignerons ont adapté leur méthode ou leur cépage. C'est tout un travail qui a dû être réappris, je pense, avec des cépages anciens et parfois des cépages nouveaux. Mais les cépages anciens, comme le Carignan et le Roussillon, sont parfaits. Ok pour le Carignan, mais vous connaissez l'acético? Si tu dis je fais un vin avec acético, un cépage grec, le public dit je ne connais pas, qu'est-ce que c'est le cépage, qu'est-ce que c'est le goût. Donc il y a beaucoup de formation, beaucoup d'éducation pour le public. Toujours est-il que le manque d'eau nuit gravement à l'expression du cépage, quel qu'il soit. Si la plante a subi un stress, il ne s'exprimera pas. Et s'il ne s'exprime pas, tout l'effort qualitatif de l'implantation du cépage, voire résistant, sera annihilé parce qu'il y aura un paramètre qui n'aura pas été réglé. Et ce paramètre, j'y reviens toujours inlassablement, c'est le stress hydrique. Pour certains vignerons, donc, point de salut sans irrigation. Pour d'autres professionnels, c'est peut-être de la science que viendra la solution. En fait, nous pourrions voir une nouvelle génération d'espèces de raisins qui pourraient être développées avec un gène de tolérance à la sécheresse. Les chercheurs ont isolé ce gène et je peux dire qu'il va y avoir des changements incroyables dans la viticulture. Des changements incroyables, reste à espérer que ce soit dans le bon sens.